Bonjour, bonjour, ici Stéphane R. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, la partie 5 de ma collection DVD. Voilà, on continue par les du premier DVD. C'est un film d'espèce de prison, mais en futur, Forteresse, avec Christophe Lambert. Bon film, ça. Bon petit film. Voilà, je vous le conseille. Et j'ai aussi Forteresse 2. Forteresse 2, la suite, voilà. Deux bons petits films. Après, on continue avec un film, comédie, Fou des rires, avec Jim Carrey. Jim Carrey, voilà, c'est Jim Carrey, quoi. Après, on continue avec l'attaque rêvée, voilà, film fantastique. Voilà. Là-dedans, il y a Morgan Freeman dedans. Voilà. D'après un roman de Stephen King. Voilà. Mais par contre, celui-là, je ne l'ai pas vu encore. Faudra que je regarde un jour. Voilà. On continue, un film comédie encore. Mais par contre, je ne les ai pas tous. C'est Doug O'Dumber avec Jim Carrey encore, avec Jeff Daniels. J'ai pas le dû. Voilà. Il manque le dû. Il faut le retrouver un jour. Voilà. Après un film de guerre. Un film fantastique, avec une espèce de serpent. Hein. C'est Day War, la guerre du dragon. Voilà, un bon avec les dragons, espèce de gros serpent, avec la belle jaquette. Voilà. Après, on continue avec écrire pour exister. Voilà. Ah oui, je me souviens, c'est avec des voilà, c'est une classe en fait. Voilà, c'est un bon film celui-là. Ah, je l'ai vu, il est bon. Excellent film. Je vous le conseille, regardez, c'est un film de classe, quoi. Je vous le conseille, voilà. Faudra que je regarde encore une fois. Mais il est bon, hein. Un bon film. Après, on continue avec deux films. Mais j'ai le 3 en Blu-ray. C'est l'effet papillon, et ça, mes amis. Ça, excellent scénario. Je vous le conseille, effet papillon. Je vous le conseille, bon film. Je vous le conseille, c'est un excellent scénario, ça. C'est une bombe, ce film. Voilà, s'il n'y a personne qui l'a vu, je vous le conseille. Mais après les autres, l'effet papillon 2, j'étais un peu déçu, voilà. Un peu déçu du 2, mais il est pas mal, hein. L'effet papillon 2, et j'ai le 3 en Blu-ray, j'ai le 3 en Blu-ray, mais voilà, je peux faire largement le premier, hein. Excellent scénario le premier, mes amis. Bon, on continue avec De Niro, Denis Brasco, avec Al Pacino et Johnny Depp, voilà. Mon petit film, mais par contre celui-là j'ai pas vu. Je peux pas comment vous le dire, voilà, j'ai pas vu. Voilà. Après, c'est un film inspiré d'un jeu vidéo, c'est Doom avec le Culture The Rock. Voilà. Doom. Un peu déçu de celui-là, j'ai pas aimé. Je préfère largement le jeu vidéo. Pas aimé. Après, c'est Doomsday, un film avec des zombies. Voilà. Doomsday. Ah, celui-là, un bon petit film. Un bon film de zombies. Hein. Je vous le conseille. Après, le Dragon des Mers.
La dernière légende, ça c'est un bon film, hein. Bon film, bon film, voilà, ça c'est un bon film, je vous le conseille, bon petit film, avec les enfants, tout ça, c'est pas mal, pas mal. Après on continue avec un film avec des un film de prison, Les Évadés. Avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Comme je vous dis, j'adore les films de prison. Celui-là, il est pas mal aussi, hein, pas mal. Voilà. Hein. On continue avec un film, un vieux film, un film de mon enfance. C'est E.T. et les extraterrestres, ça brûle. Vous devez connaître ça. Voilà, c'est un bon film. Voilà, un bon film fantastique. Voilà. On va continuer avec deux tueurs mythiques, Freddy contre Jason. Voilà. Par contre, je les ai pas tous, hein, les autres. C'est que Vendredi 13, hein, je crois, un truc comme ça. Freddy, je sais pas, faudra que je retrouve en Blu-ray ou en DVD. Voilà. Mais par contre, ça c'est un bon film, bon film. Voilà. Encore un film adapté par un jeu vidéo, Hitman 47. Hitman 47, hein, voilà. Pas trop aimé. Pas trop les films adaptés en jeu vidéo. Un homme des options avec Russell Crowe. Un film de 4 Oscars. Ça, c'est un bon film. Ça, je vous conseille. Bon film d'émotion. Je vous le conseille. C'est un bon film, ça. Encore un film émotion. Encore L'homme sans visage avec Mel Gibson. Ça, c'est un bon film. Encore film d'émotion. Encore. Voilà. Un bon film. Après, on continue avec encore une des plus belles boîtes que j'ai, Domino. Regardez la belle boîte en jaune. La trouve belle cette boîte, un peu dorée. Une belle boîte Domino. Bon film Domino. Voilà. Il y a beaucoup des bons acteurs dans le film. Il y a Mickey Rourke. Il y a la fille qui joue dans Pirates des Caraïbes. Voilà. C'est un bon film, hein. C'est une des plus belles pattes que j'ai. Celle-là, j'aime bien. Après, L'honneur du dragon avec Tony Jaa. L'honneur du dragon. Tony Jaa, voilà, un film de action, hein, film d'action. Ah, je vous ai dit, j'adore cet acteur aussi. On continue avec Nicolas Cage, Ghost Rider. Et j'ai les deux en Blu-ray. Voilà, Ghost Rider, film des Marvel, des héros Marvel. Voilà. On continue avec. Voilà, Hostel. Hostel. Ah, il était. En début, hein, c'est. Voilà. Hein. Faut attendre dans ce film qui a un peu d'action. Mais j'aime bien beaucoup. Hein. Bon, belle petite trilogie, mais si j'ai le 3 en. J'ai le 3 en Blu-ray. Bon film, ça. Bon petit film, Hostel. Après, c'est Hostel chapitre 2. La suite. Puis ça suit en plus. C'est nickel. Ça suit beaucoup. Voilà. Bon, deux beaux petits films. Après on continue avec quatre films. C'est Die Hard avec Bruce Willis, Pièce de cristal, qui connaît pas ça. Quadrologie. Et j'ai le 5 aussi, le nouveau, le 5 avec son fils. Die Hard 5, je l'ai en Blu-ray. Voilà, ça c'est Pièce de cristal. Après c'est. C'est 58 minutes pour Vidiat 2.
On continue avec Une journée en enfer d'Art 3. Voilà. On continue avec le 4. D'Art, c'est Retour en enfer d'Art 4. Voilà. Et le 5, je l'ai en Blu-ray. Après, encore un film d'émotion, celui-là, ça a un bon petit coup de cœur. L'homme qui me mourait aurait des chevaux. Ah, celui-là, je vous le conseille, excellent film. Ah, ça m'a ému celui-là. Avec les premiers pas de l'actrice Scarlett Johansson. C'était un de ses premiers films, je crois bien. Et puis celui-là, le Robert Redford, l'acteur. Voilà. Un bon film, hein, je vous le conseille, excellent film. Un film émotion. Après, encore un film, c'est encore un film émotion encore. C'est Des hommes d'honneur. Un bon film. Avec Tom Cruise, Jack Nicholson, des demi-mours. Bon film, Des hommes d'honneur, je le conseille. Après un film d'action avec Un homme à port, avec Vin Diesel. Un homme à port, un film d'action. On continue avec les Harry Potter après. Les Harry Potter, et par contre, je les autres, hein, les tout derniers, je les ai pas tous en. J'en ai en Blu-ray. Avec Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier. Après, Harry Potter et la chambre des secrets. Après, Harry Potter et le prisonnier Azkaban. Et le dernier en DVD, Harry Potter et la coupe de feu, et je les ai tous en Blu-ray. Je vous montrerai ça plus tard. Après, on continue avec Hellboy, encore un film Marvel. Hellboy, bon petit film Hellboy, et j'ai le 2 en Blu-ray. Je le déambulerai. Après, on continue avec Héros, avec un film chinois, Héros, avec Jet Li. Après, on continue avec Elektra, un film Marvel, encore Elektra, avec Jennifer Garner, Elektra. Marvel. On continue avec Itcher. Voilà. Après The Itcher 2, Retour en enfer. Un film avec Will Smith, Hitch, expert en séduction. Mon petit film, celui-là, mon petit film, Hitch. Mon petit film, je vous le conseille. Mon petit film. On continue avec les frères Grimm, avec James Franco. Je crois que excusez-moi, avec Matt Damon, pardon. Voilà. Grimm. Après, on continue un film avec Dirty Dancing. J'ai pas le dû. Après, District 9 ne sont pas les bienvenus. Par
contre celui-là je l'ai pas vu, je sais pas s'il est bien ou voilà, je n'ai pas vu celui-là. On continue avec 10 000. 10 000. Mon petit film, 10 000. Après Fleabody. Fleabody, film d'avion. Avec il y a De Niro dedans. Non, pardon, Jean Reno, pardon. Et James Franco, voilà. Et ce, c'est un bon film, hein, je vous le conseille, un bon film. Après on continue avec les femmes de ses rêves, les femmes de ses rêves, avec Ben Stiller, j'aime bien celui, cet acteur, il est marrant. Voilà. On continue avec Brad Pitt et Edward Norton, c'est Fight Club, bon film. On continue avec une trilogie, c'est les, voilà, une trilogie, le fils de Beverly Hills avec Eddie Murphy, qui connaît pas ça, hein. Voilà, un grand classique, le flic Beverly Hills 2, la suite, et le flic Beverly Hills 3, Ah, je crois qu'ils annoncent un 4, j'ai vu ça sur Actu Ciné. Voilà, j'ai vu ça. Je sais pas quand il va sortir l'année prochaine ou cette année, je sais plus. Après, on va continuer avec le petit monstre, les petits monstres Green Means. Ça, c'est marrant, ça. Ça me fait rire. Alors, par contre, si tout petit, j'avais peur, hein. Tout minou, après il se transforme après minuit, c'est plus des petits monstres. Hein. C'est des vrais petits monstres. Hein. Voilà. Bon petit film, deux petits films. Et merci, j'ai dû la Green Mist de la nouvelle génération, la suite. Voilà. Bon, deux petits films. Après un film avec Demi Moore, Half-Life. Voilà. Là, j'ai pas vu. Après les goûts de la vie, un film d'amour. Voilà. Goût de la vie. Il y a Katrina Zeta Jones. Voilà. Mon petit film. On continue avec Gothica. Gothica. Et par contre, il est bizarre à la fin, il devrait avoir un dû, parce que la fin est un peu bizarre, il devrait avoir un dû, mais quand il va sortir, je sais pas, voilà, j'aimerais bien qu'il refasse un dû, parce que j'aime bien, un bon petit film, celui-là, avec Ali Berry. Après on continue avec les Hannibal Lecter, Trilogie. Hannibal Trilogy, avec Dragon Rouge, le Silence des Anneaux, et Agneau, pardon, et Hannibal, voilà, avec le beau, coffret, voilà, avec les tous les films, là. Voilà, et bon, mon petit film, et ça, c'est un chef-d'œuvre, hein. Tous les trois films, c'est des chefs-d'œuvre. Des bons films. Et j'ai aussi le Hannibal Lecter, l'original du mal. En fait, c'est le tout premier, en fait. En fait, il faut regarder sur un premier et regarder les autres après. Voilà. Voilà, un bon petit film. Voilà, c'est. Allez, Hannibal, j'aime bien Hannibal. Hein. Après on continue avec le boxeur qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est The Hurricane. C'est Hurricane Carter, le boxeur qui est décédé. Voilà, j'ai le film, son histoire. Hein, je vous le conseille, hein. Un bon petit film. Après Identity. Un film
Un film d'horreur, hein, je crois. Un thriller, pardon, un thriller. Là, c'est dans un hôtel, une espèce d'hôtel, là. Là. Il faut qu'on trouve qui est l'assassin, en fait. Là, je vous dis pas l'histoire, hein, voilà. Mais je vous le conseille, c'est un bon petit film. Identity. Après, on continue avec... avec Julia Roberts, Irina Brankovic, Seul contre tous. Voilà, un film d'amour. Après, on continue avec Eragon, avec le dragon. Voilà, bon petit film. Après, on continue avec le vaisseau de l'au-delà. Voilà. Un film fantastique. Et là encore, encore du beau Anthony Hopkins. Qui a pas vu La Faille? Qui a pas vu ce film magnifique? Ça c'est un grand film. Un super scénario. Je vous le conseille celui-là. C'est un bon film. Ah, du grand Anthony Hopkins. J'adore ce acteur. Voilà, hein, c'est un bon film, je vous le conseille celui-là, c'est un bon film. Voilà. Après, on continue avec les Fast and Furious. Voilà. Par contre, j'ai les autres, hein, les tout derniers en Blu-ray. Voilà, Fast and Furious, le tout premier. Après, Too Fast and Furious, le 2. Et Fast and Furious Tokyo Drift, le 3. Après, on continue avec les 4 Fantastiques, film Marvel. 4 Fantastiques, ça c'est sympa, c'est sympathique. J'aimerais bien qu'ils refassent un 3. C'est des bons films. J'aimerais bien qu'ils refassent un 3. Après, c'est les 4 Fantastiques et les Surfeurs d'Argent. Voilà, la suite. Pas mal. On continue avec le fan, avec deux bons acteurs, Robert De Niro et Wesley Snipes, le fan. Un film avec, c'est un film de baseball. Regardez, film de baseball. Ça, c'est un bon film, bon film encore. Après, on continue avec Hot Fuzz. Moi, je l'ai pas vu encore cela, Hot Fuzz. C'est une espèce d'un truc de comédie, je crois. Hein. Voilà. Après, on continue avec Hulk, du premier. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Avec Hulk le tout premier, et j'ai l'autre en Blu-ray. Je vous montrerai un peu tard. Après, on continue avec The Game. Avec, c'est qui fait ça? C'est Michael Douglas, The Game. J'ai pas vu encore celui-là. J'ai pas vu encore celui-là, mais voilà. Après, on continue avec deux films de zombies. Of the Dead. Voilà, Of the Dead, le petit premier. Et Of the Dead 2, les zombies. Voilà. Je fais un peu de place. Et on continue avec encore un coup de cœur, mes amis. Qui n'a pas vu Ghost of New York? Encore un grand film, un grand film avec des bons acteurs, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz. Ça, c'est des bons films, ça. Je
vous le conseille. Excellent, excellent, excellent film. Après, on continue avec Il était une fois en Amérique avec De Niro. Voilà. Il était une fois dans le Bronx. Voilà. Par contre, je les ai pas vus, les deux là. Après, on continue avec Bruce Willis, Incassable. Tu vois, c'est un bon petit film. Le mec, il est incassable, quoi. On continue avec Full Metal Jacket. Ah, celui-là, il est marrant. Il est marrant, celui-là. Bon film de guerre, un bon film de guerre, celui-là. Full Metal Jacket, je vous le conseille. Après, on continue avec Le Fugitif. Le Fugitif, avec Harrison Ford. On continue avec Halloween. Halloween, et j'ai le 2 en Blu-ray. Ça, c'est tout nouveau. Hein. Je sais pas les autres. Alors, voilà. Après, on continue avec les... Ah, celui-là, il fait peur, celui-là. The Grudge, avec son bruit. Comme ça, là. Et il fait les boules, celui-là. Hein. Il fait les boules, là, je vous le conseille. Avec son bruit bizarre, là. Et j'ai le 3 en Blu-ray. Voilà, The Grudge 2. Et par contre, j'ai le 3 en Blu-ray. Avec l'espèce d'avion intelligent là, furtif, l'avion intelligent là, pas trop mal. Après, ah, encore un classique encore, It's Bananas Day avec Will Smith. Qui a pas vu ce film? Ils annoncent un 2 en plus. Je sais pas c'est pour quand, mais ils annoncent un 2. Voilà. Après l'enfer du devoir avec Tommy Lee Jones avec Samuel L. Jackson. J'ai pas vu encore celui-là. C'est un film de guerre, je crois. Je crois. Voilà. Après, encore un bon super scénario, Ennemi d'État. Ça c'est un super scénario, je vous le conseille. Excellent, excellent film. Super scénario. Ennemi d'État. Je vous le conseille. On continue avec Jet Li en sursis. En sursis, mon petit film. Ah, c'est bientôt fini. Après, aussi, ils annoncent un dieu encore, c'est Godzilla. Godzilla. Ils annoncent un dieu ou un remake, je sais plus, mais ils annoncent un dieu. Godzilla, ça c'est le premier. C'est De Niro, Jean Reno. Ah, j'ai du mal avec. Ben, c'est Jean Reno dedans. La Jean Reno. Après, on continue avec deux bons films de foot. Gaulle, naissance d'un projet, prodige. Voilà. Voilà. Un Gaulle. Avec Gaulle 2, la consécration. Il y a même David Beckham, l'ancien Parisien, David Beckham, l'ancien joueur de Paris là. Voilà. Bon, deux bons films de foot. Et voilà, et c'est le dernier film avec Ben Affleck et Jennifer Lopez, Guili, Amour Trouble, voilà, et le tout dernier. Voilà, c'est fini pour cette cinquième partie des DVD. Bientôt là, une sixième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est encore du bon DVD. Je vais faire une petite ensemble.
Bel ensemble, allez. Ah, ça rend du bon DVD. Voilà. Voilà, bientôt la sixième partie. Voilà. Voilà, une belle SD là. Là c'est Stéphanaire encore. Dans cette vidéo, je vous fais une dédicace aussi à tous mes abonnés. Toujours il y a un qui s'abonne. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, mettre des j'aime. Voilà, et je joue toujours à Alan Wake. Je suis presque à la fin. Alan Wake, voilà, c'est un bon jeu. Voilà. Voilà, ma pile a grandi de plus en plus. Hein. Regardez. Voilà. Voilà. Et je vous dis bon DVD, bon jeu. Et je vous dis à plus pour ma sixième partie de collection DVD. Voilà. A plus et jouez bien, regardez bien les DVD. Au revoir.